Jungle on the beat. Et nous voilà en ligne pour ce soir. Hop. Le temps de vérifier que tout est en ordre ici et là. Oui, ça on a de l'air. Parfait. Hop. Bon, bonsoir. Bonsoir aux personnes qui sont connectées. Hop là. Pour ce nouveau stream linguistique et jeux vidéo, parcours croisé de deux notions simultanément avec ce soir le concept d'analyse quantitative et de quantitatif en général qui est un des éléments que l'on n'associe pas nécessairement d'ailleurs à la linguistique ou aux sciences du langage et qui pourtant depuis quelques années maintenant, avec les avancées de l'informatique notamment, est de plus en plus fréquent au sein de la communauté linguistique. Et c'était l'occasion, comme je revenais vers des lectures, de parler, voilà, d'aborder ces sujets-là avec l'exemple d'un article qui est peut-être mon article favori sur la question, puisque oui, il y a des... tout comme il y en a qui ont des romans favoris, moi j'ai des articles de linguistique favoris, alors c'est un vice. Voilà, mais bon, chacun a ses propres vices. Et donc c'est un article de Sophie Prévost de 2015, un article assez récent, qui était paru dans la revue Langage, et qui s'appelait Diachronie du français, qui s'appelle Diachronie du français et linguistique de corpus, une approche quantitative renouvelée, qui est un article disponible librement sur Cairn. On n'a pas besoin de compte universitaire pour y accéder. J'avais donné le lien sur Twitter lors de l'annonce et sur Discord lors de l'annonce de ce stream, et je le remettrai dans la description de la vidéo sur YouTube lorsque je l'uploaderai demain ou après-demain. Et c'est un article qui fait le tour sur l'intérêt
mais surtout sur les difficultés que l'on peut rencontrer en linguistique, et notamment en linguistique diachronique, d'utiliser les méthodes quantitatives. Les méthodes quantitatives, comme on va le rappeler dans l'article, se sont notamment développées en linguistique avec l'informatique, avec la façon dont on a eu, à compter des années 60-70, de brasser un très très grand nombre de données textuelles, et avec la notation manuelle, semi-automatique, automatique que l'on a maintenant, de faire des statistiques très intéressantes par ailleurs sur l'emploi de telle ou telle forme, de telle ou telle structure grammaticale, de tel ou tel mot, de faire des courbes de fréquence, tout simplement également de chercher plus rapidement les occurrences, sans avoir à parcourir les textes avec un stabilo et puis surligner les choses qui nous semblent intéressantes. Bon. Donc l'informatique a, comme dans beaucoup de sciences humaines, changé considérablement notre approche des textes, notre approche de la langue et de l'histoire des langues. Mais il ne faut pas oublier un certain nombre d'angles aveugles. Mais oui, ma petite chatte. Il ne faut pas oublier un certain nombre d'angles aveugles. Hein, ben, tu veux monter sur les genoux à papa? Bah non. Ok. T'es douce en ce moment. Mais, donc il faut se méfier de certains biais, de certains effets, des très grands nombres qui peuvent impacter, avoir une influence plus ou moins notable sur les résultats. Et donc c'est l'objet de l'article de Sophie Prévost que je voulais parcourir ce soir sur le stream. Alors Sophie Prévost, je pense que je me demande si j'ai pas déjà lu un article d'elle lors de mes streams il y a quelque temps. Peut-être pas. Peut-être pas récemment. C'est une chercheuse qui a été à l'origine de mon parcours scientifique, intellectuel. Ça a été l'une des premières chercheuses que j'ai véritablement lues lorsque j'étais en Master 2 à l'époque, et qui a eu une influence considérable sur mon approche des sciences du langage et de la linguistique diachronique. Ça n'a pas été la seule, évidemment, mais ça a été, voilà, l'une des plus notables. J'ai eu la chance de l'avoir dans mon jury de doctorat il y a quelques années de ça, aux côtés d'autres pairs. Et donc, voilà, elle a apporté un regard très intéressant sur mon travail. Elle m'a fait énormément de remarques très judicieuses, voilà, sur la façon dont je l'avais conduit, sur la façon dont je pourrais le conduire à l'avenir, etc. Et donc voilà, c'est une des têtes de pont aujourd'hui de l'analyse automatique du type TALT, traitement automatique des langues, de l'ancien français notamment, où elle aide à développer des modèles de reconnaissance automatique de corpus historique d'ancien français. Et on lui doit notamment. Bonsoir! Bonsoir, merci d'être là. On lui doit notamment. Voilà, un travail énorme sur la bibliothèque de français médiéval, la BFM, qui est accessible sur abonnement, qui est l'une des sources annotées les plus riches que l'on ait aujourd'hui d'anciennes langues françaises. Et elle mène différents autres projets de recherche dans ce domaine, dont le projet, alors, Profitroll, qui s'est terminé il y a peu de temps, là aussi. Bon. Donc voilà. Cet article donc de Sophie Prévost que l'on va parcourir, comme toujours, Asso et Agamben, c'est indexé dans le CNR. Oui, tout à fait. C'est l'une des chercheuses qui a été derrière la BFM du CNRTL, tout à fait, et auquel on peut accéder. Donc voilà, on ne peut pas parler d'ancien français aujourd'hui, en France comme à l'international d'ailleurs, sans citer à un moment donné les travaux de Sophie Prévost. Voilà, elle a révolutionné la façon dont on
envisager ses textes. Voilà. Et c'est une chercheuse qui est peu connue, il me semble, du grand public, voilà, qui est peut-être un peu discrète quant à ses apparitions médiatiques, qui fait peu de vulgarisation. Mais voilà, c'est une des chercheuses les plus influentes dans cette discipline. Et voilà. Et elle continue à briller et à faire énormément de choses dans cette discipline. Donc, on va parcourir cet article à Sowe et à Gambad. En m'attardant particulièrement sur l'introduction, que je trouve les introductions des articles et des ouvrages de Sophie Prévost sont toujours extraordinairement bien faites. C'est vraiment... voilà, c'est, je vous le recommande, ce sont des plaisirs intégrales à lire en termes de cadrage, de problématiques, etc. Elle a un talent d'écriture que je lui envie particulièrement, que je n'ai pas encore atteint, que j'atteindrai peut-être jamais, mais voilà, je vous recommande si au moins... si vous tombez sur ces travaux, de vous attarder sur les introductions qui sont généralement extraordinaires. Donc, diachronie du français et linguistique de corpus, une approche qualitative, quantitative, renouvelée, article paru dans la revue Langage en 2015. Introduction. Travailler sur une langue sans locuteur rend les textes indispensables. Les données attestées constituent en effet le seul objet possible d'investigation et l'établissement de fréquences permet d'affiner des descriptions, sinon approximatives. Rendre compte des changements, qu'il s'agisse de l'émergence, de la disparition, de la transformation d'une construction, entendu dans le sens large du terme évidemment, d'un paradigme, suppose par ailleurs de quantifier les phénomènes observés. Les diachroniciens médiévistes ont donc toujours accordé une place privilégiée à la quantification des données attestées. La numérisation des textes et la linguistique de corpus ont cependant largement modifié leur méthodologie en raison principalement de la massification des données désormais prises en compte. Et oui, on atteint le problème inverse de l'époque. Tout un temps où le problème c'était l'accès aux données, on n'avait pas assez de données pour que ce soit signifiant. Avec l'informatique, maintenant, on a trop de données. On n'a pas forcément le temps de les traiter, il faut les échantillonner. Et donc se pose la question de l'échantillonnage, sur laquelle on va revenir. Et en ce qui concerne la linguistique de corpus, j'avais fait une émission, il me semble... sur la question jadis, j'essaye de retrouver discours rapporté, corrélation. Il me semble que j'avais fait modalité argumentation. Je crois que c'était sur le thème de la terminologie. Il me semble que j'avais fait, que l'on avait parlé de linguistique de corpus. C'est ça. On avait parlé. Hop. Je vais le mettre dans le chat. C'était le stream du 24 juin dernier où j'avais parlé de linguistique de corpus et de terminologie. Donc si jamais voilà, vous voulez en savoir davantage sur la terminologie et la linguistique de corpus. Nous envisagerons dans un premier temps les spécificités du travail sur une langue sans locuteur, ce qui est quelque chose qui peut sembler atypique, mais c'est le lieu de toutes les langues disparues, les langues mortes et les anciens états des langues d'aujourd'hui, l'ancien français, l'ancien anglais, bon, même le français du 19e siècle est une langue qui n'est plus parlée par définition. On ne parle jamais que des langues qui nous sont contemporaines. Mais oui, mon chou. Puis le renouveau méthodologique produit par la numérisation des textes et la linguistique de corpus montreront ensuite combien la quantification des données et à différents égards constitue des études diachroniques, ce que nous illustrerons par quelques aspects de l'évolution de la syntaxe du sujet pronominal, ce qui nous permettra de pointer certaines limites de cette approche. Et justement, j'ai pu pointer, je l'ai prise au mot avec un collègue dans un article de 2020, en reprenant cette thématique, on a vu effectivement que cette approche avait des limites et que d'autres approches permettaient d'atteindre une meilleure réalité des faits, mais je parlerai peut-être de cet article une autre fois. Donc voilà, je trouve cette introduction en un paragraphe. Elle arrive à poser vraiment les thématiques, les enjeux, le plan que je trouve, voilà, je trouve qu'elle, qu'elle,
qu'elle a ce talent de synthèse, de clarté de synthèse, que je lui envie particulièrement et qui est rare chez les chercheurs en général, à ce qui me semble. Et je trouve vraiment qu'elle a un véritable talent voilà, en termes d'écriture. Donc, continue. Travailler sur une langue sans locuteur, quand le possible de langue rejoint le possible attesté. Dans Introduction à une science du langage, donc qui est un ouvrage fondateur hein, de Milner de 89, si, voilà, même encore maintenant, si vous voulez en découvrir davantage sur le concept de science du langage, l'ouvrage de Milner demeure d'actualité. Il est vieilli par endroits, évidemment, mais il reste globalement une très bonne porte d'entrée à la science du langage, et non pas aux sciences du langage au pluriel. Ce qui implique une différence dont il s'explique dans l'ouvrage. Milner considère l'établissement du jugement différentiel comme constitutif de l'activité grammaticale. Le principe de ce jugement différentiel est que tout ne peut pas se dire. Il suppose donc qu'il y a un impossible en langue. Toutefois, cet impossible de langue n'est pas un impossible matériel. Autrement dit, une donnée de langue peut être possible matériellement, c'est-à-dire attestée, et impossible en langue, ou inversement. Eh oui, si on considère effectivement qu'une langue est régie par une suite de tendances que d'aucuns appelleraient règles ou structures, alors, mais avec beaucoup de précautions, parce que voilà, rien en langue n'est franchement figé dans le marbre, et qu'à côté de ça, il y a des énoncés agrammaticaux, les énoncés agrammaticaux peuvent quand même être forgés, ne serait-ce que artificiellement. Ils seront donc attestés, mais ils ne sont pas possibles en tant que tels. Puisque le langage a cette caractéristique-là d'être à la fois d'être un objet abstrait et concret, hein, d'être un objet figuratif et un objet tangible, hein, que l'on peut représenter par une chaîne acoustique ou écrite. Et donc il y a du jeu entre les deux. Et c'est ça qui fait son intérêt descriptif. Ces deux questions, établissement du jugement différentiel et possibilité de grammaire, se posent différemment pour les états anciens de la langue. Ceux-ci ont en effet la caractéristique majeure d'être dépourvus de locuteurs vivants. Et notre absence de compétences exclut tout recours à l'introspection. Ben oui. Quand on fait de la linguistique synchronique, on peut tester un sentiment de langue, une question de langue, en se demandant si soi-même comment on la reçoit. Mais on ne peut pas, et c'est ce que je développais aussi dans ma monographie de thèse, on ne peut pas se risquer à imaginer que tel énoncé est grammatical ou moins grammatical pour un locuteur du 17e, du 16e, du 15e siècle. Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas projeter notre propre expertise dans le passé. Par conséquent, possible en langue et possible matériel tendent à être coextensifs, hein, dans les faits et par principe, ce qui nous permet d'établir le possible en langue d'une donnée langagière et précisément le fait qu'elle est attestée, observable, les textes existants constituant notre seul outil d'appréhension de la langue. Ce qui n'est pas nécessairement vrai, puisque, ou alors il faut prendre une dimension assez large du terme de texte, hein, puisque du coup les ouvrages métalinguistiques, les grammaires nous renseignent également, par le contraire, sur des exemples qui jugent non grammaticaux. Et donc, ça complète un peu le schéma. Et ça, c'est ce qu'a fait notamment énormément Nathalie Fournier, qui a été l'une des pionnières dans cette discipline. Donc, j'ai déjà eu à lire du Nathalie Fournier, qui a été ma directrice de thèse, au cours de ses streams. Et c'est une approche que j'observe moi-même. J'aime bien revenir aux grammaires du temps pour voir ce qu'ils disent. Sont des outils de première main. D'ailleurs, il y a un article de ma main qui parle de cette question-là, qui devrait arriver, être publié courant avril dans la formation grammaticale. On me demande sur Twitter si ça sera mis en ligne. Hop, dès le lendemain, les streams sont en ligne sur ma chaîne YouTube. Tac, je le rappelle, y compris pour ceux qui le verraient sur Twitch, mais hop, ma chaîne YouTube accueille tous mes streams pour archivage. Donc reprenons.
On peut néanmoins interpréter une donnée attestée comme impossible en langue, mais cette appréciation ne résulte pas d'une introspection fondée sur la compétence. Elle repose sur ce que Marcello Nidia, le très grand nom des sciences du langage en France, a appelé une intuition de reconnaissance. Alors ça, c'est un terme qui a fait Florence. Il s'agit d'un jugement permis par la construction progressive de notre connaissance de la langue ancienne, faite par l'étude des grammaires et la fréquentation des textes. Ça, c'est un sentiment que vous développez au bout d'un moment. Moi, je m'en suis rendu compte avec la langue classique, puisque mon domaine de spécialité, c'est le 16e et 17e siècle. À force de fréquenter les textes, vous arrivez à sentir cette langue, un peu comme si c'était une langue étrangère, en fait. À force de pratiquer une langue étrangère, le parcours des textes en anglais, en espagnol, en mandarin, ou que sais-je, vous avez votre faculté d'apprentissage de la langue, y compris des états anciens de la langue française, qui s'active quand même, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau. Et pour moi d'ailleurs, ça a eu une conséquence malheureuse, dont j'ai du mal à me défaire maintenant, c'est que je me mets à écrire comme des auteurs du XVIIe siècle, donc avec des très longues périodes, relancées, cadencées. J'ai du mal à faire des phrases courtes. Bon, j'écris vraiment avec des à la Bossuet. Des choses où on a du mal à reprendre le souffle. J'écris bien moins bien que Bossuet, évidemment. Hein, la comparaison n'est pas raison. Et donc j'essaye de me défaire de ça. Mais à force, c'est vrai, de pratiquer les textes, on s'en imprègne, y compris dans les vieux textes de langue française. Les modalités d'acquisition de mise en œuvre de cette grammaire sont évidemment fort différentes de la grammaire intérieure que nous possédons pour notre langue. Contrairement à ce qui se produit pour celle-ci, où nul sujet parlant n'est censé connaître les règles parce que les ignorer n'empêche pas nécessairement de les appliquer, pour la langue ancienne, il faut connaître les règles pour juger de leur application. Outre le caractère discutable en soi, car normatif de la notion d'impossible en langue, le concept d'impossible en langue est discutable, quand elle s'applique à des données attestées, la situation est plus complexe pour les langues anciennes. Comment interpréter une donnée attestée qui nous semble être, au regard de notre connaissance de la langue, un impossible grammatical ? C'est intéressant comme question. On peut faire l'hypothèse qu'il s'agit de l'amorce d'un changement et que la règle doit être révisée. Un impossible en langue à un moment donné peut par la suite devenir possible en langue. C'est précisément la caractéristique du changement. Tous les changements linguistiques, à un moment donné, ont été, par définition, anormaux, c'est-à-dire en dehors de la norme, et ensuite sont devenus une nouvelle norme. Mais il y a toujours eu un moment où le sentiment linguistique, y compris des locuteurs et des locutrices de l'époque, sentait que c'était en décalage par rapport à leur propre expérience. Hein, mais cette forme nouvelle a fini par s'imposer. C'est de là d'où vient le changement. S'il ne s'agit pas des prémices d'un changement, si c'est un apax, alors plusieurs interprétations. Alors il peut s'agir d'une faute, d'une coquille, de l'auteur ou du copiste, soit d'un véritable impossible. Soit c'est impossible, mais trop rare pour qu'on ait pu le repérer. Ça arrive. Bon. Il peut aussi s'agir d'un possible en langue propre à celui qui l'a produit, un idiolecte. Ce n'est pas une faute, c'est que l'auteur a une incidence particulière, un rapport particulier à la langue, et donc ça implique du coup des questions relatives à l'usage, à la variation, et donc je renvoie cette fois-ci à un article que j'avais lu début janvier dernier, sur les chartes médiévales, hein, où l'auteur montrait que la variation bicasuelle en ancien français, par exemple, lorsque vous lisez des chartes médiévales, n'existait pas. Et que donc, ce que l'on pense être une grammaire de l'ancien français, la variation bicasuelle, qu'à sujet qu'à régime, était plutôt une survivance métalinguistique du latin ou du latin tardif, qu'une donnée d'ancien français. Donc ça c'est intéressant. Je passe la fin de ce paragraphe auquel je vous renvoie pour avancer dans le texte. Construction attestée au recours éventuel à une intuition de reconnaissance fondée sur notre connaissance des textes. C'est toujours in fine à travers les textes qui nous sont parvenus que nous percevons la langue ancienne. Les textes constituant par ailleurs l'objet d'étude,
Il convient, afin d'échapper à une possible circularité, d'envisager toujours des données nouvelles, de prendre en compte des textes peu sollicités. C'est ce que j'essaye de faire ces derniers temps, beaucoup avec les textes juridiques, par exemple, qui ont été peu explorés encore. Cela permet de confirmer, d'affirmer, de corriger, de compléter des propriétés précédemment mises au jour. De mon expérience, ce que l'on sait maintenant globalement des états anciens de la langue, y compris de l'ancien français, a été plus ou moins déjà trouvé. Ce qui reste à établir, c'est surtout la fréquence d'apparition et de disparition des phénomènes et leur chronologie, la chronologie du changement. Et on voit que les phénomènes que l'on pensait assez... à un moment donné du temps dans les textes littéraires sont en général apparus plus tôt dans les autres textes. Et donc on pense que voilà, il y a une chronologie. Alors quand je dis plus tôt, c'est pas de l'ordre du siècle, hein, c'est 25 à 50 ans plus tôt. C'est suffisant pour voilà, établir une nouvelle chronologie du changement, mais il faut multiplier les textes. Aussi nombreux et variés que soient les textes considérés, le corpus se donne d'emblée comme restreint. Travailler sur les états anciens de la langue et suivre par principe l'accès au registre de l'oral oralisé, hein, par opposition à l'oral mis en écrit, et dans la pratique à certains registres de l'écrit. Et surtout que pour l'ancienne langue française, on a retrouvé que très peu de manuscrits de l'époque. Hein, très très peu, une portion. Je disais encore à mes étudiants en début de semaine, je crois que pour l'ancien français, on a peut-être entre 5 et 10% des textes, on estime, que l'on a retrouvé, c'est extraordinairement peu pour se faire une idée de l'état de langue. C'est vraiment infinitésimal. Nous savons que certains genres de textes ne nous sont parvenus qu'à travers très peu de textes. Nous n'accédons qu'à un sous-ensemble, oui, tout à fait, et pour l'Antiquité, c'est encore moins. Hein. Pour le latin et le grec, heureusement, les langues continuent à être parlées, mais d'une façon ou d'une autre, mais oui, c'est infinitésimal ce qu'on a pu retrouver. Nous n'accéderons qu'à un sous-ensemble de la langue des locuteurs, nous n'avons qu'une vision parcellaire de l'état de langue. L'objet étudié est donc partiel dans l'absolu, mais il constitue une totalité finie pour nous, puisque les textes susceptibles d'être analysés forment un ensemble délimité. La situation est de ce point de vue opposée à celle dans laquelle on se trouve pour la langue moderne. Cette dernière est potentiellement accessible dans sa totalité, mais c'est une totalité infinie, puisqu'on produit sans cesse de nouvelles données. Reste cependant dans les deux cas la question de la maîtrise de la variation langagière, hein, bien qu'imparfaite. Presque 20 ans après la remarque de Perry Woodley à propos de ce que serait un corpus équilibré, le corpus équilibré, et non pas échantillonné, il y a une différence, est sans doute celui qui a de tout un peu. Mais encore faudrait-il savoir ce qu'est tout, c'est-à-dire quelles sont les classes à représenter, ce qui nécessite un modèle complet de la variation, avoir accès à des textes les représentant. Et donc là, il y a deux écueils. C'est d'une part, il faudrait se mettre d'accord sur ce qui est tout, et ensuite, il faudrait juger qui est le représentant du tout. Et ça, c'est inaccessible, de toute façon, même dans le ciel des idées. Imaginons qu'on ne veuille qu'on contrôle tout. On dit, voilà, moi je ne veux travailler que sur l'année 1850. Je bloque 1850. Je veux travailler que sur la littérature. C'est-à-dire qu'il faudrait que je prenne un exemplaire de texte pour tous les genres littéraires. Mais combien j'en découpe? Est-ce que les romans en vers, c'est un roman? Est-ce que le roman épique, c'est pareil qu'un roman naturaliste, etc. Est-ce qu'il y a une problématique qui s'est posée de savoir s'il y a un biais dans l'héritage qui nous est... Tout à fait. Ben, c'est l'objet de l'article de la dernière vidéo que j'ai donné dans le chat, où quand on lit les chartes, par rapport au texte littéraire, on se rend compte en fait que la langue française des textes littéraires, c'est une langue poétique, en fait, c'est une construction de langue française qui n'était vraisemblablement plus parlée depuis plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs siècles, parfois. Hein. Donc, c'est pas loin d'être une langue imaginaire par certains endroits, y compris du point de vue de sa syntaxe, le fait qu'elle soit une langue V2, par exemple, ce qui étonne tous les romanistes depuis le début des sciences du langage au 19e siècle, peut-être tout simplement qu'on n'arrive pas à expliquer pour les caractéristiques linguistiques de l'ancien français parce qu'on travaille sur une langue qui n'a jamais existé en fait, et donc qui a des oppositions, qui a des contradictions internes parce qu'elle n'a jamais été pratiquée en tant que telle. Ça, c'est une hypothèse qui commence à faire son chemin.
Ouais, plot twist, c'est une hypothèse qui commence à faire son chemin en romanistique, disant que l'image que l'on a de l'ancien français n'est pas la bonne que l'on a, et qu'on essaye de construire un modèle à partir d'une pièce qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout solide, en fait. Et donc ça explique qu'on n'arrive pas à gérer tout le reste, quoi. Mais bon. La recherche avance, on exhume hein, encore plus de textes, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il y a encore des choses pour l'ancien français qu'on se dit, bon, c'est bizarre. voilà. Si l'établissement d'un modèle de la variation reste assurément un enjeu de taille, y compris pour la langue ancienne, la perspective d'explorer un jour l'ensemble des textes qui sont parvenus jusqu'à nous constitue un premier pas vers cet objectif. Hein. Et dans le cas d'une langue comme l'ancien français, c'est envisageable. Un jour viendra où, de toute façon, on aura fait le tour de tous les manuscrits qui nous sont parvenus. Il n'y en a pas un nombre infini, on les connaît quasiment tous. Il y a bien encore des chartes, il y a bien encore des cédules, des bulles papales, des choses comme ça, dans des archives, des actes notariés qui n'ont pas été transcrits. Mais d'année en année, il y en a de moins en moins. Il arrivera un jour, peut-être d'ici 20 ou 30 ans, on pourra dire que l'on aura transcrit, annoté l'intégralité des textes entre le 9e et puis le 14e siècle. C'est un ensemble fini, on sait à peu près ce qu'il nous reste à faire. Ça se fera, ça se fera. Et donc, à partir de là, bon, il n'y aura pas de difficulté. Hein. Dans le cadre d'études ponctuelles, il est rarement envisageable pour des raisons matérielles, disponibilité d'une part, coût de traitement de l'autre, de traiter l'ensemble des données existantes. Devrait néanmoins toujours se poser la question de représenter l'état langagier que l'on souhaite observer, c'est-à-dire de bien panacher les textes. La question de la constitution de corpus et donc de la représentativité de la langue est particulièrement cruciale dans l'étude des états anciens de la langue. Un hein, manchou, hein, la gamote là qui fait sa saucisse sur le canapé. Voilà. Alors, tradition de travail sur les textes renouvelés par la numérisation des textes à la linguistique de corpus. Les linguistes médiévistes ont toujours pris en compte les fréquences de phénomènes observés, en particulier lorsqu'il s'agit d'étudier les changements. La numérisation des textes et le développement des outils de traitement ont largement modifié la méthode. Jusqu'à récemment encore, on travaillait sur les données attestées dans des livres, individuellement et sur un nombre de textes restreint. Toujours sur des données testées qu'on travaille aujourd'hui, mais celles-ci sont désormais disponibles aussi sous forme numérisée, ce qui permet leur massification et un traitement facilité. À certains égards, la méthode n'a pas changé. Le choix des textes composant le corpus était et reste conditionné par la construction, le phénomène à étudier. Hein, certains textes seront plus pertinents, plus révélateurs que d'autres, bon, ainsi que par la qualité de l'édition des textes. On continue à faire des comptages, à rechercher les premières occurrences, à élaborer des raisonnements avant de retourner au texte pour vérifier les hypothèses, mais on est moins limité par les possibilités humaines individuelles de comptage. Le gain de temps permet en outre un enchaînement beaucoup plus rapide de raisonnement, et donc un accroissement de la productivité scientifique, entre guillemets. On peut aussi, grâce à l'augmentation du nombre de textes traités, grâce aux outils, opérer des comparaisons assez rapides, hein, entre les textes notamment. Dès lors devient possible la prise en compte plus systématique de la variation dialectale dans ces différentes instanciations, de même que l'accroissement du nombre de textes étudiés pour établir des diachronies à la fois plus larges et plus fines. Les avantages ont néanmoins une contrepartie négative. On lit moins les textes linéairement, voire on ne les lit plus, à la fois parce que cela n'est plus indispensable et que ce n'est plus possible matériellement. Et ça, c'est... Ça, je m'en suis rendu compte moi-même en faisant des études sur corpus. Il m'arrive souvent d'avoir juste mon concordancier et d'avoir juste ce qui m'intéresse à gauche et à droite. Alors certes, quand on travaille en micro-syntaxe, comme là, c'était le cas avec une collègue, on réfléchit pour travailler sur la grammaticalisation du futur proche en français, hein, les structures du type aller plus infinitif, je vais manger, etc., qui est une structure qui apparaît, on pense, entre le 11e et le 14e siècle, le 12e, 13e siècle, bon voilà. Et donc l'idée, c'est, voilà, on est en micro-syntaxe, et donc on regarde la distance entre le verbe aller et l'infinitif, bon, et on voit que ça se rétrécit au fur et à mesure, qu'il y a moins de distribution, de forme, bon, tout ça.
C'est quand on travaille vraiment sur un tout petit truc, la concordance c'est bien. Mais c'est vrai que quand moi mon champ d'investigation premier, c'est vrai que c'est davantage des questions de textualité, de syntaxe un peu plus grave, plus grande, de macro-syntaxe. Et là, il me faut revenir au texte nécessairement. Et donc, quand je fais ça, bah, je ne peux pas me permettre de ne pas lire les textes en détail. C'est pour ça qu'en ce moment, j'essaye de faire des approches scientifiques où en fait, je marie qualitatif et quantitatif. C'est-à-dire que j'ai toujours un aspect quantitatif, une donnée que j'observe méthodiquement en disant, voilà, on a tant d'occurrences de cette forme dans ce texte, tant de pourcents dans celle-ci, etc. Ne serait-ce parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de publier un article scientifique sans avoir ces données-là. Les éditeurs sont de plus en plus regardants sur justement cette scientificité-là, même si sans ça on fait toujours de la science, hein, mais on sent voilà qu'il y a une pression des éditeurs, des revues, notamment à l'international, mais pas seulement, pour que l'on ait des chiffres particulièrement. Mais c'est jamais ces chiffres-là un terminus ad quem de mon raisonnement. Et j'ai toujours une portion qualitative dans laquelle je reviens sur des choses que j'ai vues lorsque j'ai parcouru mes occurrences, mais que j'ai pas pu quantifier, parce que c'est difficile à quantifier, parce que c'est trop variable, mais ça ressort du même phénomène. Et donc, je peux à ce moment-là en dire quelques mots, et puis libre après à chacun de reprendre et donner des chiffres pour traduire cette intuition. Bon. Mais voilà, c'est vrai que c'est un écueil dont il faut avoir conscience en sciences du langage. Si l'activité est plus exploratrice au sens où elle permet de repérer plus facilement une première occurrence, un contexte inédit, elle est en revanche moins curieuse, elle est davantage préformatée. En ne lisant plus au fil du texte, on ne repère plus, on repère moins de phénomènes nouveaux, de constructions inédites, on ne lit plus ou moins les textes linéairement, mais on les lit autrement. D'une lecture continue et linéaire, on est passé à une lecture par classe d'occurrence, quelle qu'elle soit, extraite plus ou moins automatiquement dans un contexte, autrement dit à une appréhension syntagmatique des textes, donc dans la linéarité de l'énoncé, se substitue désormais une approche paradigmatisante. Hein, on a le concordancier avec la forme pivot, contexte gauche, contexte droite, et puis on parcourt linéairement hein, ce qui se passe ici. Cette lecture verticale et transversale résulte du mode d'exploration et de filtrage, hein, qui consiste à générer des concordances. La linéarité physique du texte est brisée, mais c'est un autre mode de représentation auquel on accède. Hein. On peut mesurer l'homogénéité de celle-ci, la variation interne bien plus facilement, etc. On découvre des caractéristiques qu'une lecture littéraire n'aurait pas permis de mettre au jour, structuration inédite du texte. Hein. Donc on a une perception différente des constructions. Ça, c'est très particulier comme approche. Moi qui viens davantage, je parle un peu de ma propre pratique ce soir, à côté de ça. Moi, je viens d'une formation qui n'est pas du tout une formation linguistique de base. Moi, je viens d'une formation littéraire. J'ai d'abord fait lettres modernes. Et donc, j'ai une approche textuelle des phénomènes de langue. Pour moi, un énoncé, c'est pas une structure. Un phénomène de langue, c'est pas une structure. C'est un énoncé. C'est une suite d'éléments, de signification, de syntaxe, de forme qui crée un discours. J'ai une approche discursive textuelle des phénomènes. Et donc, quand j'ai dû commencer à travailler avec des concordanciers, avec des requêteurs, voilà, ça a changé mon approche du texte. Et j'ai essayé de matiner les deux autant que faire se peut. Et c'est ce que je continue encore à faire, mais je ne fais pas du tout le même travail. Je vois bien la différence parce que généralement, d'ailleurs, faire une analyse par concordance, c'est assez trivial, je trouve. Ça ne veut pas dire que c'est facile à faire, mais une fois que l'on sait ce que l'on cherche, effectivement, hein, comme elle disait, hein, on met moins au jour les constructions inédites, mais on vérifie des hypothèses antérieures, on rentre les bonnes données, on a les bons chiffres, on les interprète. C'est assez linéaire comme structure. Alors que quand on est dans une approche plus textuelle, à ce moment-là, on se surprend à voir des choses que l'on n'avait pas envisagées.
des phénomènes d'anaphore, de construction du texte, de parcours que l'on n'avait pas repéré. Quand j'avais fait mon article pour Scolia il y a quelques mois de slash années de ça, sur les constructions en ANT, en tête de chapitre, ça c'est vraiment quelque chose que j'avais repéré par la lecture des textes. J'avais vu qu'un certain nombre de chapitres de romans du 17e, voilà, commençaient par des formes en « on », hein, du type « en allant », etc. Bon. Et c'était très 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 fréquent, et c'était pas du tout documenté. Je me suis dit « tiens, là, ça peut être intéressant à envisager bon. ». Et donc, c'est comme ça que je l'avais fait. Et donc, en faisant après des données mathématiques, j'ai vu que oui, il y avait bien quelque chose de particulier ici qu'il fallait mettre au jour. Les outils informatiques ont un autre avantage, il s'agit de la régularité, de l'homogénéité de l'analyse effectuée, quelle que soit sa nature, collecte de données, dénombrement, etc. Lorsqu'on cherche un objet linguistique à l'œil nu, on peut omettre des occurrences. Il se peut aussi qu'on fasse bouger la requête involontairement, en tenant plus compte systématiquement des critères de sélection, on génère du bruit et ou du silence. L'outil permet par ailleurs de traiter, donc de dénombrer des structures très abstraites ou complexes, hein. Le recours au texte numérisé, alors traitement informatique peut certes occulter des constructions identiques, mais il permet en revanche de percevoir des objets invisibles à l'œil. Donc, quantification des données. Qui ont souvent deux titres, j'ai jamais compris pourquoi. Ça, c'est un grand classique à compter de. Depuis l'époque médiévale, en fait. Ce sont des phénomènes de. C'est dû à la littérature scolastique. Ça se poursuit un peu encore maintenant, mais c'est plus franchement le cas aujourd'hui. C'est-à-dire, l'idée, c'est que l'on avait généralement un titre court et un titre plus long qui donnait généralement le genre du texte et le sujet que l'on allait rencontrer. Tout à l'heure, je relisais pour d'autres travaux un bout d'un texte de Crébillon fils. Donc on est au 18e, qui est assez connu, qui s'appelle La nuit et le moment. Et La nuit et le moment est sous-titré Les matines de Cythère, dialogue. Donc on a un titre court qui est en fait presque un slogan, le titre long. Et puis le genre du texte. Et ça c'est de la scolastique. Mais c'est exactement le même principe que quand vous allez en faculté et que vous avez un code de cours et puis le titre du cours. C'est exactement pareil. Vous aurez M2, 62, 40, morphologie fondamentale de la langue française. Voilà, c'est exactement le même principe. On donne un titre court, un titre long et puis un genre. C'était à des fins de classement. L'enjeu premier de la linguistique diachronique est la mise au jour et l'analyse de l'émergence et de la disparition, de la transformation des constructions. Rendre compte de ces différents types de changements suppose l'établissement de fréquences. Décrire une langue sans locuteur implique de s'appuyer sur un dénombrement des constructions. Diachronie et langue ancienne, la quantification des données est doublement nécessaire. Déterminer la fréquence exacte d'une construction et des contextes dans lesquels elle apparaît est déterminant dans une perspective diachronique et présente au moins deux intérêts majeurs. Cela permet d'une part de repérer les basses, voire très basses fréquences, de ne pas considérer comme non attestées des constructions rares. Les outils de quantification permettent d'apprécier rapidement la répartition des constructions dans les différents textes. C'est un point important, hein, souvent négligé. Bon. Cela permet d'autre part de mesurer l'évolution de la productivité d'une construction, ce qui est important dans tous les phénomènes de changement, notamment ceux de grammaticalisation. On observe deux positions majeures en ce qui concerne la nature du changement. L'une d'elles a considéré que les changements surviennent brusquement. C'est la conception de la grammaire générative de Lightfoot, hein, qui pour lui considère qu'un changement est toujours catastrophique, dans la mesure où il suppose une réanalyse, et que seuls les enfants sont capables d'accomplir une telle opération, hein, en analysant différemment les énoncés entendus. Comme beaucoup de choses qu'a dit la grammaire générative en termes de variation,
C'est faux, ou vraisemblablement faux. Un conseil, on peut faire confiance à la grammaire générative pour des structures en synchronie, et il y a des choses très bien qu'ils ont dit en syntaxe. La grammaire générative se contremoque de la variation diachronique, diatopique, diastratique. Elle ne le prend pas dans son modèle de pensée. Elle ne peut pas l'analyser. Donc ce n'est pas la peine d'aller leur faire confiance. Ils ne l'envisagent pas. Donc voilà. C'est pas un appareillage théorique qui est outillé pour faire face à ce type de difficultés. Ce qui est pas plus mal, enfin, ce qui est très bien par ailleurs, puisque voilà, il faut construire des modèles pour ensuite les mettre dans des écosystèmes, c'est normal. Voilà, tout comme on aurait tort de tout rabattre sur la variation, on aura tort de tout rabattre sur des structures génératives. Il faut comme toujours la vérité, si vérité il y a, et à mi-chemin entre les deux approches. La seconde position développée dans le cadre de la sociolinguistique et de la grammaticalisation envisage les changements comme continuum, avec coexistence temporaire de formes nouvelles et de formes anciennes. Hein. C'est plutôt dans ce second mode qu'évoluent les constructions langagières, avec généralement, alors là aussi il faut mesurer, c'est-à-dire que pendant très longtemps on a considéré que le changement de la grammaticalisation était un phénomène lent et continu. C'est vraisemblablement faux. Le changement se produit davantage par palier et il n'est pas toujours directionnel. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'essaye de montrer en ce moment. C'est une intuition que j'ai, que la grammaticalisation n'est pas toujours un aboutissement. Hein, c'est des choses qui peuvent revenir en arrière, qui peuvent se stopper, qui peuvent ralentir, et qu'il y a des contextes qui favorisent des figements, mais que ce n'est pas d'absolue nécessité. Mais en tout cas, si c'est des continuums, comme c'est des progressions, il se pose la question de la vitesse. Quelle est la durée globale d'un changement? Est-ce que ça se calcule en génération de personnes? Est-ce que ça se calcule en siècle? Et la vitesse à laquelle ça se diffuse, autrement dit son rythme. Hein. Et donc, on a des modèles, par exemple la courbe en S, hein, la dite S-curve, qui est un des modèles les plus fréquents utilisés en diachronie, qui indique que dans un premier temps, les emplois augmentent lentement, puis ensuite, les nouvelles formes se répandent rapidement, deviennent équipollentes avant. Avec les précédentes, puis elles prennent le dessus, et là elles ralentissent, elles redeviennent les nouvelles formes archaïques, et ainsi de suite. Par contre, ça c'est très très difficile d'établir la temporalité exacte, c'est très compliqué. Il y a plusieurs enjeux, l'un des premiers enjeux c'est les contextes. Et les contextes sont de deux ordres, hein. Je vais passer un peu rapidement ici. Il y a les contextes dits linguistiques, hein. C'est-à-dire essayer de trouver les moments où les deux formes sont en concurrence l'une avec l'autre. C'est ce que l'on a dans le modèle de Heine, hein, de palier, où on passe d'une forme A à une forme B en passant par des strates intermédiaires A petit b, petit a grand B, hein, où on a des expressions plus ou moins marquées. Et c'est ce que l'on a avec l'évolution du système de la négation. D'abord utilisé seul, ne s'est vu progressivement renforcé par des morphèmes dénotant initialement une petite quantité, pa, point, mi, le premier s'imposant peu à peu, avant que pa ne soit finalement utilisé seul, du moins à l'oral, et ce dès le XVIIe siècle. Pour autant, ne n'a pas disparu, la locution de ne pas restant dominante dans les registres soutenus. Le modèle de Heine a l'intérêt d'affiner l'étape de transition entre le stade originel et le stade final. Il ne distingue plus précisément un contexte de transition, bridging context, dans lequel la construction d'une inférence donne lieu à une nouvelle signification qui passe au premier plan, et un contexte de bascule, switching context, incompatible avec la signification d'origine qui passe au second plan. Donc ça, c'est très important, c'est ce qu'on essaye de travailler justement avec la collègue, avec les formes en aller plus infinitif. À quel moment on a une bascule dans l'usage et où on ne peut plus donner de sens directif à je vais manger avec un sens spatial pour avoir un sens parfaitement temporel.
Est-ce que l'on peut identifier les paramètres qui déterminent ça? Bon. Ça, c'est assez difficile à établir. Et puis, donc ça, c'est le premier élément, on va dire, intra-linguistique. Mais, il y en a un autre, c'est le contexte textuel. Et ça, on a tendance à moins le prendre en compte, mais c'est très important, je l'ai pris en compte dans ma thèse également. C'est la question des genres de texte, en fait, des sources textuelles. Puisque les changements signifient dans des contextes linguistiques, mais ils ont aussi leurs origines dans certains contextes textuels liés au genre et au registre. Et une mauvaise constitution de corpus peut conduire à une interprétation erronée des résultats. Dans le cadre d'une étude du marqueur de topicalisation Kant A, j'avais interrogé la BFM pour l'ancien français et le DMF pour le moyen français, ne trouvant aucune occurrence de l'expression dans la BFM, j'en avais conclu à une émergence plus tardive. Mais il s'est avéré que les textes de moyen français dans lesquels apparaissait l'expression étaient très majoritairement des textes argumentatifs, en tout cas non littéraires, or la BFM n'était à cette époque composée que de textes littéraires. Il était donc peu probable d'y rencontrer des occurrences de l'expression. C'est pour ça que parfois, lorsque vous faites de l'étymologie ou de la recherche grammaticale sur l'apparition de telle ou telle source, selon les articles et les méthodes, vous allez trouver parfois des différences extraordinaires de temps, de chronologie. Je me rappelle avoir été frappé à l'époque, j'avais travaillé sur l'imparfait, sur une valeur de l'imparfait digne narratif, qui est un imparfait, une valeur de l'imparfait que l'on trouve dans les textes narratifs, qui n'a pas un sens itératif, mais qui est plutôt utilisé pour des événements de premier plan, qui est très particulier, qu'on trouve par exemple beaucoup chez Flaubert. Maintenant, quand vous lisez les articles sur cet imparfait-là, pour certains, il apparaît qu'au 19e siècle. On n'en trouve pas trace avant, et il est vrai que de mémoire j'en vois très peu au 17e par exemple. Bon, je ne trouve pas d'exemple au 17e de ce que je connais. Par contre, vous allez voir Buridan, il vous donne des textes du 13e dans lesquels on trouve déjà des occurrences de cet imparfait narratif. Et du coup, c'est très bizarre. On ne sait pas pourquoi tout d'un coup il y a un gap de plusieurs siècles dans lequel on n'arrive pas à trouver d'occurrence de ces textes, et donc on ne sait pas quoi en faire. Est-ce que c'est des impacts? Est-ce que c'est quelque chose qui n'a plus été utilisé dans les textes pour différentes raisons? Bon. C'est un cas extrême, mais c'est le genre de choses qu'on peut trouver lorsqu'on s'intéresse à des formes très spécifiques comme ça. Bon. Outre le bon ciblage des genres, pour la constitution du corpus, la question des ellipses temporelles est importante. On a intérêt à disposer du corpus le plus dense possible, sous peine de tirer des conclusions dont la vérité ne tiendrait qu'à l'insuffisance du corpus. Tout à fait. Peut-être qu'il y a eu un style littéraire, un style d'écriture, qui utilisait cette forme, et puis qui est tombé en désuétude, comme le style curial à l'époque est tombé en désuétude. Hein, pour le style curial, je vous renvoie pareil, un stream que j'avais fait il y a quelques temps. Où est-ce que j'avais parlé de ça, du style curial? J'avais fait un stream où je parlais de ça. Du style curial, de cet effet de liste que l'on avait beaucoup dans certains textes. Je peux parler, je crois que c'était celui-ci. Voilà, c'était l'article sur la phraséologie du roman médiéval, qui date du 12 novembre dernier, hop. Dans lequel on sent que ces éléments-là sont importants à déterminer, mais on ne s'en rend pas nécessairement compte. Parce qu'on prend les textes qui sont accessibles, bien sûr que c'est impossible. Mais il y a une différence entre les évaluer et savoir qu'elles existent. Et savoir qu'il y a des effets de genre, qu'il y a des effets de corpus. C'est ça qui est le plus important en réalité. C'est en matière de science, et notamment de science comme ça, de diachronie, il y a des choses qui nous échapperont toujours. Nécessairement. Il y a des questions qu'on peut se poser, mais on ne pourra jamais connaître les réponses, on ne pourra jamais connaître les conditions
exacte de rédaction de ces textes, de lecture, de parcours. Il y a des éléments, on peut faire des hypothèses, mais on n'aura jamais une réponse définitive, et ce n'est pas en augmentant le nombre de sources que l'on atteindra ces réponses-là. Mais le fait de donner cette liste-là dans les hypothèses explicatives, c'est un objectif à avoir. C'est dire, voilà, on a atteint tel résultat, mais parmi les hypothèses envisageables, il ne faut pas sous-estimer un effet de genre, un effet de style, un effet de ceci, un effet de cela. Bon. Il faut comprendre ça. Et j'aime bien la formule que donne justement Sophie Prévost pour résumer ça. Il s'agit de bien déterminer ce que l'on compte. Et il s'agit par ailleurs de savoir dans quoi on le compte. Et ça, on ne s'en rend pas nécessairement compte. Et il y a beaucoup d'études que je vois passer dans lesquelles la question du corpus n'est pas suffisamment bien verrouillée. Non seulement en termes de genre, mais également en termes de lecteurs, qui lisait les textes, qui les écrivait, où étaient-ils diffusés, auprès de quel type de population. Tous ces éléments-là pèsent, de ma propre expérience, davantage souvent pour l'étude diachronique que la simple question du genre du texte, par exemple, qui est importante par ailleurs, mais que l'on sait généralement gérer, et que la taille du texte. On peut penser qu'en termes de sciences du langage, la masse de... Plus un texte est gros, voilà, mieux c'est et tout, mais en fait, pas du tout. Ça, c'est un élément qui n'a pas franchement d'incidence dans les résultats que l'on veut faire. Très peu. C'est pas un paramètre qu'on peut prendre en considération, bizarrement. C'est ça qui est rigolo. Il y a un côté fractal, en fait, dans les textes. C'est ce que l'on voit sur l'ensemble du texte se rencontre dans un élément micro et puis réciproquement. Il y a un côté fractaliste qui est intéressant. Bon. Le temps passe. Je vais terminer par cette partie. En fait, là, c'était la grosse introduction. Après, elle met en application toutes ces remarques dans le cadre d'une étude plus systématique sur l'expression du sujet pronominal, qui est un sujet qu'elle a énormément travaillé. Donc, elle donne des chiffres, des données très, très précises. Mais je voulais juste terminer par cette sous-section. Fractaliste. et là, je vais le lire in extenso, la section 4.4 que je trouve la plus... qui marche bien. Mesure et quantification, une vision faussement objective. Dès lors que l'on procède à une quantification des données, quelle qu'elle soit, on semble objectiver le phénomène décrit. Et toute la subtilité tient d'ensemble. Outre le fait que les résultats mis au jour ne valent en toute rigueur que pour les textes qui composent le corpus, ils ne constituent surtout qu'une certaine vision du dit phénomène, en réalité largement subjective. En effet, dès lors que l'on dépasse ce simple registre des fréquences, bon nombre de calculs requièrent une interprétation assez fine, susceptible de varier selon l'interprétant. Par ailleurs, même pour des calculs assez simples, se pose, en amont des résultats obtenus, la question de ce qui a été compté. Cette question a été évoquée plus haut à propos de l'interprétation sémantique de certaines occurrences. Elle émerge également au niveau morphosyntaxique. Ainsi, selon le modèle théorique adopté, la notion de langue V2, donc quand le verbe est en deuxième position dans la phrase, toujours en deuxième position, donc on a une structure soit SVO, soit OVS, mais... ou avec un élément thématique, une particule en tête de phrase, mais toujours le verbe en deuxième position, la notion de langue V2 ne revêt pas la même signification. Il peut s'agir, pour le verbe, d'une position de surface, ou bien d'une position dans la structure profonde. Donc soit une structure, une position qui est due à des contextes extérieurs au verbe, qui se retrouvent du coup en cette position-là, ou bien au contraire, structure profonde, une systématisation d'une structure syntaxique générale.
On ne proposera pas le même codage des données dans les deux cas et on ne dénombrera donc pas les mêmes structures. Tout codage résulte d'une grille de lecture, d'un parti pris de classification, et toute classification est une construction conventionnelle. Elle n'est pas naturelle. En tant que telle, elle informe nécessairement l'objet auquel elle est appliquée. La marge de variation est particulièrement forte en syntaxe, champ dans lequel les approches théoriques, parfois radicalement différentes, peuvent donner lieu à des dénombrements très différents des constructions et des phénomènes étudiés. C'est pour ça que les grammairiens, les syntacticiens, ne sont pas toujours d'accord sur la typologie des langues du monde, et que pour certains, l'allemand, par exemple, est une langue V2, absolue. Alors que pour d'autres, non, c'est une langue SV. Parce que la proportion de V2 en position indépendante n'est pas suffisante pour justifier que ce soit une V2. Bon. Mais voilà, c'est le genre de débat que l'on peut avoir sur quelque chose qui pourtant semble objectivable. Le caractère non consensuel de l'objet mesuré et la variabilité des quantifications n'est certes pas spécifique à la langue ancienne. Mais comme cela a déjà été souligné, nous ne pouvons mettre en œuvre une quelconque compétence de locuteur susceptible de faire contrepoids à nos interprétations. En conséquence, les mesures établies à partir de textes n'en acquièrent que plus de poids, elles sont parfois perçues comme une forme de réalité, alors qu'elles ne sont pour une large part qu'une manière de donner à voir cette réalité. Dans la mesure où c'est à partir de chiffres que nous formulons de nouvelles hypothèses, que nous révisons des règles précédemment établies, la prudence est de mise, tant dans la constitution du corpus que dans la détermination de ce qui doit être mesuré et dans la manière dont on établit les quantifications. Voilà. Je trouve que ce chapitre résume, et je suis parfaitement en accord avec ça, sur la prudence que l'on doit toujours avoir en termes de chiffres. Il y a cette tendance aujourd'hui, pas qu'en science du langage d'ailleurs, hein, mais que ce soit en sociologie, en histoire, voilà, de se rabattre derrière un nuage de chiffres en disant voilà, qu'il y a une objectivité aux chiffres. Et on l'a encore vu d'ailleurs avec la campagne ministérielle hein, pour le vaccin. Quelle que soit votre position, je trouvais que c'était un très mauvais argument. Vous savez, dans le clip télé, il disait à un moment donné, on peut débattre de tout, sauf des chiffres. Bien sûr qu'il faut débattre des chiffres, évidemment qu'il faut débattre des chiffres. Il faut savoir ce qu'on a compté. Il faut savoir ce qu'on a compté et dans quoi on l'a compté. Dire on ne peut pas débattre des chiffres, c'est une position incroyablement dangereuse. Et qui ne convient pas pour tout. Et d'ailleurs, qui ne convient même pas pour les sciences dites exactes, hein, pour les sciences de la nature, bon, où on a les mêmes problématiques, en réalité. Même les mathématiques ne peuvent discuter des chiffres constamment. Évidemment, c'est leur boulot. Donc, on est face à ce paradoxe-là que l'on a eu tendance avec l'informatique pendant très longtemps, et la grammaire générative s'est beaucoup appuyée là-dessus, de croire que l'on objectivait des phénomènes en leur associant des clés chiffrées, mais du coup ça a mis en lumière, et c'est ça qui a été intéressant aussi dans la discussion, des phénomènes qui auparavant ne pesaient moins dans les études en fait. Parce que quand on travaillait par exemple en ancienne langue française sur l'expression, sur un paradigme verbal, sur l'expression de la négation, on explorait généralement toute l'œuvre d'un auteur, et donc on disait l'expression de la négation chez Chrétien de Troyes, l'expression de la négation chez Charles d'Orléans. Et donc on situait la pratique linguistique d'un état de langue par rapport au miroir d'un individu au sein d'une suite de discours dont on savait retracer la généalogie, dont on savait faire la philologie. En arrivant avec les très grands corpus, on efface ces aspects individuels et on a l'impression d'avoir accès à une généralité, à un collectif, alors que l'on finit par avoir jamais qu'une somme d'individualités. Et c'est ça en fait la difficulté. Aucun discours, et elle le dit très bien, aucun corpus ne représente jamais que lui-même. Et même le corpus le mieux échantillonné, le mieux étiqueté, ne peut jamais donner qu'une image restreinte d'un état de langue qui ne peut prétendre à l'universalité de cet état de langue. Et il faut avoir conscience de ça.
Et il faut faire des hypothèses, du coup, relever des hypothèses liées au genre du texte, aux générations d'auteurs, au contexte, aux variations dialectales, diastratiques, diachroniques, diatopiques, diaphasiques, diagéniques, ça, bon, qui auraient pu influencer l'emploi de telle ou telle forme. Tout simplement, parfois, des idiolectes, hein, des phénomènes de style. Moi, ça m'arrive. Dans le corpus de coutumiers normands sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces dernières années, on a un auteur... parmi la dizaine qu'on a étudiée, qui est, on ne sait pas pourquoi, archaïsant, il écrit en 1730, il a un style, quand on fait des fréquences, qui le rattache plutôt au début du XVIIe siècle, et on ne sait pas pourquoi. Il a une écriture qui est très ampoulée, très archaïsante, qui est vraisemblablement due à son parcours de vie, à l'éducation qu'il a reçue. Peut-être qu'il voilà, était issu d'une éducation un peu plus rigoriste, un peu plus ancienne, ou peut-être parcourait-il voilà, des textes très anciens qui ont influencé son écriture. On ne peut pas se fonder sur lui pour établir un établissement. Bon. Et du coup, ça oblige à nous demander si on a raison de le faire pour les autres. Donc ça, c'est intéressant. Du coup, je vous redonne les références de cet article hein, de Sophie Prévost, paru dans le numéro 197 de la revue Langage de 2015, Diachronie du français et linguistique de corpus, une approche quantitative renouvelée. L'article est librement accessible à cette URL hein, que vous trouvez dans le tweet d'annonce du stream et que je remettrai en description de la vidéo lorsque je l'uploaderai sur YouTube. Donc, voilà pour cet article. Ah! Vraiment, Sophie Prévost, c'est une des, voilà, l'une des pères, l'une des chercheuses en sciences du langage aujourd'hui que je trouve là, vraiment les plus, voilà, les plus fines, les plus sachantes en sa discipline. C'est peut-être aujourd'hui la chercheuse qui a la plus grande connaissance de la langue ancienne du français, du point de vue morphosyntaxique, du point de vue textuel. C'est un, voilà. Extraordinaire. Elle est rattachée au laboratoire Lattice et elle est chargée de recherche au CNRS évidemment. Donc voilà. Si vous avez l'occasion de l'entendre à un moment donné, si jamais vous la voyez passer dans une conférence ou quoi, je vous encourage vraiment à aller l'écouter. C'est une des plus grandes, des plus grands noms de cette voilà. Voilà. Du coup, je vais aller me chercher un peu d'eau et puis ensuite on pourra reprendre Fallout. Que j'avais. Eh ben oui, tout à fait, ça a été l'une des grandes contributrices de la grande grammaire historique du français avec Bernard Combette, avec Marcello Nidia, avec. Qui a fait d'autres que je prends les noms. Tobias. Voilà. Tobias Scheer, voilà, c'était les grands noms derrière la grande grammaire historique, évidemment, c'est elle qui a dirigé toute la partie ancien français, voilà, par excellence. Bon. Voilà. À tout de suite.
Hop là. Alors. Voilà. Et on va voir. Passer à la deuxième moitié de notre hop stream avec Fallout 3, toujours sur ce thème du quantitatif. Hop, jeu de Bethesda sorti en 2008. Hop. Sur PC, Xbox, il me semble également. Wow, posez votre question, pas de souci. Il n'y a pas de problème. Pendant ce temps, je vais lancer le jeu. Ah, la résolution du jeu est petite. Alors, est-ce que je peux le mettre en mode fenêtré?
Au début, des milliers de personnes survécurent à l'hécatombe en se réfugiant dans d'énormes abris souterrains. Les survivants ne remontèrent à la surface que pour trouver des terres désolées. Tous, sauf ceux de l'abri 101. Car le jour maudit où le feu tomba en trombe du ciel, la gigantesque porte d'acier de l'abri 101 se referma pour ne plus jamais s'ouvrir. Ceux qui y sont nés y mourront. Car personne n'entre, ni ne sort de l'abri 101. Donc, voilà pour l'histoire de Fallout. Donc, si vous ne connaissez pas, le premier Fallout est sorti en 97, il me semble, le tout premier Fallout, peut-être un peu avant. 97, tout à fait. Par Black Isle Studio et édité par Interplay. Sous-titré Post-Apocalypse Role-Playing Game. Le jeu donc vous demande d'explorer un monde post-apocalyptique dans lequel, comme on l'avait vu, les bombes atomiques ont dévasté la surface de la Terre. Là, il faut que j'active les sous-titres par contre. Donc le premier épisode a je crois que c'est dans vidéo, luminosité, fondu, sous-titres généraux. Voilà. Donc la surface est devenue un désert atomique, mais au bout d'un siècle, les habitants des abris anti-atomiques qui s'étaient réfugiés et ceux qui ont pu survivre à la surface ont refait des civilisations progressivement dans un monde un peu voilà. Dévasté, mais qui reprend progressivement ses droits, comme on dit. Et donc, voilà, le premier épisode, vous mettez dans la peau d'un rescapé de l'abri, d'un abri qui devait aller trouver un circuit imprimé pour changer, pour réparer le ravitailleur en eau potable de l'abri, hein, sans ça tout le monde allait mourir, et donc en allant à la surface vous alliez découvrir qu'une menace bien plus grande que la guerre atomique menaçait voilà, toute l'humanité. Dans le deuxième épisode vous contrôlez un descendant du héros du premier épisode dans sa quête là aussi pour trouver ce qui s'appelle un kit d'Éden en kit, qui est en fait un genre de mallette qui contient tout le nécessaire pour refaire une civilisation, des potagers, etc. Bon. Voilà, qui se trouve quelque part dans le monde. Et donc après, avec Fallout 3, on change de développeur, on passe à Bethesda, donc qui était connu pour les Elder Scrolls, ce qui avait occasionné d'ailleurs beaucoup de questions par rapport aux fans, et clairement Fallout 3 opère une scission dans la communauté entre les gens qui disent que cet épisode n'est pas à l'aune des premiers, mais voilà. Donc première étape toujours de Fallout, ici on commence à notre naissance, hein, littéralement, vient de sortir. Sommes-nous un garçon ou une fille? On va faire une fille. Mais oui. Oh, James, on a réussi. Une fille. Une belle petite fille. Tu as un brillant avenir devant toi, trésor. J'en suis sûr. Oh, j'en suis certain. Regarde-toi. Salut. C'est une introduction qui est très. Voilà. Qui est malgré tout très bien pensée de la part de Bethesda, de nous faire commencer comme ça. Alors, comment va-t-on s'appeler? Évidemment, on va s'appeler Twitch. De toute façon, notre nom ne sera jamais prononcé dans le jeu. Non, tu ne trouves pas? Il te va très bien.
Oui, je suis pas sûr de ça, mais bon. Alors. Autre élément, on choisit son apparence adulte. Bon. On peut reprendre son sexe, donc on peut choisir si on est blanc, afro-américain, asiatique, hispanique. Vous aurez noté que le père était dans la pénombre jusqu'à présent, justement pour. Le jeu va faire en sorte que si on choisit afro-américain par exemple, que le père lui-même soit afro-américain, soit noir, ou bien soit asiatique, ou bien soit blanc, ou bien soit hispanique, ou que sais-je. Bon. Bon, soit. Donc on va dire que l'on est blanc, on choisit son visage, tête de joueur aléatoire, hop, pourquoi pas. Style de cheveux. Oui, non, mais tout à fait. Ménagère modèle, carré mi-long, ange déchu. Allez, ange déchu avec le petit bidule, la crête derrière. De toute façon, c'est des options qu'on pourra un peu modifier. Hop, on va avoir les cheveux très rouges. Hop, et on va dire que c'est très bien comme ça. Parfait. Je vais ressembler à papa, oui, bien sûr. Je le pense bien. Le doublage du jeu n'est pas le meilleur en français, malheureusement. Mais bon. Là, on commence à arriver sur les choses intéressantes. Donc évidemment, notre mère mourra, mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui va arriver ici, c'est-à-dire la création de notre profil de personnage et où l'on va du coup commencer notre parcours. Alors l'idée est la suivante. Nous sommes en vue subjective, hein, on n'a pas possibilité encore ici de quitter cette vue subjective. Et donc on va se diriger et on va bientôt attribuer des caractéristiques à notre personnage. Fallout est un jeu de rôle et comme la majorité des jeux de rôle, les pouvoirs de notre personnage sont déterminés par hop là. Tac. Vont être déterminés par des caractéristiques qui ici s'appellent le special. Pourquoi special? C'est un système qui a été créé par Black Isle, qui est une version modifié d'un système que l'on avait par exemple dans AD&D, Advanced Dungeons and Dragons, où en fait nos caractéristiques sont déterminées par des points de force, strain, de perception, perception, d'endurance, endurance, de charisme, charisma, d'intelligence, intelligence, à agility. Et L pour luck. Donc, on a un certain nombre de points, et donc on va déterminer notre fiche de personnage dans cette étape-là. Chaque option a des effets divers et variés, comme on s'en doute. La force sont les dégâts reçus, les dégâts que l'on va pouvoir donner. Ça va aussi jouer sur les armures que l'on va pouvoir porter. La perception, c'est notre faculté d'avoir conscience de notre environnement, notamment d'entendre les ennemis. L'endurance, c'est la vitesse à laquelle on va pouvoir se déplacer et le poids que l'on va pouvoir porter dans notre inventaire. Le charisme, pour se faire aimer des gens et donc avoir des ristournes également chez les marchands. L'intelligence, pour pouvoir penser un maximum. L'agilité, notamment pour surprendre les ennemis dans leur dos. La chance, ça influence les coups critiques que l'on va donner, également les blessures que l'on va recevoir, et ainsi de suite. Donc là, on est dans une approche strictement quantitative,
hein, du jeu vidéo, issu du jeu de rôle papier, où en fait, tout ce qui va se produire derrière la scène, ce sont des jets de dés, en fait, complexes, que va faire la machine au fur et à mesure, qui va comparer des chiffres, des dégâts, de différentes. De différents événements, comparer ça avec notre feuille de personnage, les éventuels modifieurs que l'on va avoir, puisqu'en cours de jeu, on va pouvoir trouver des éléments qui vont temporairement ou constamment augmenter notre force, notre endurance, notre charisme, etc. Et donc, à partir de là, va faire une équation, et puis il va nous donner un résultat qui va valider ou invalider notre action. Ça, c'est une approche purement quantitative. Du gameplay que l'on va notamment trouver dans les jeux de rôle, pas seulement, que l'on va trouver dans les jeux de stratégie, par exemple, hein, dans certains puzzle games, etc. C'est aussi une façon, on va dire, intéressante d'envisager. D'envisager le jeu vidéo dans la mesure où tous les jeux vidéo, jusqu'à un certain point, sont des jeux sont dépendent en fait d'une notion de chiffres. Hein. On le comprend bien. Hein. Il y a toujours des chiffres derrière un jeu vidéo, que ce soit dans la programmation, dans l'affichage des éléments mouvant à l'écran, etc. Mais certains jeux choisissent de mettre en avant ces éléments chiffrés, alors que d'autres les dissimulent derrière leur programmation. Et c'est cette différence-là, je pense, que j'avais envie de mettre en avant, avec l'idée qu'il y a des jeux qui exhibent leur squelette chiffré de programmation, pardon, et donc des jeux qui invitent à ne pas le faire. Donc moi, généralement, ici, j'aime bien être très intelligent. Quitte à être moins fort, hein, parce qu'évidemment, on a une quantité limitée de points à fournir. Hop. Et donc. Eh bien alors. Dead. Voilà, achevé. Et donc. Hop, papa est de retour. Mais oui. Alors, ce qui est rigolo, c'est que les modeurs aussi sur cette séquence ont hacké le jeu pour voir à quoi ça ressemblait. Et en fait, on est un modèle tout réduit de notre personnage adulte. Voilà, dans. Et donc voilà, c'est assez rigolo. Donc ici, on a un peu. Yeah. Wouh, wouh. Ils ont beaucoup de problèmes avec le moteur physique Bethesda. Wouh, j'ai un teddy bear. Bref, l'aspect quantitatif dans les jeux vidéo conditionne lorsqu'il est explicite notre rapport du coup aux enjeux que l'on va rencontrer. Alors que quand on a un jeu dans lequel ces chiffres ne sont pas explicites, on va avoir un rapport un peu plus qualitatif à nos données. Ça, c'est assez frappant dans certaines séries de jeux que l'on va avoir. Moins dans Fallout, puisque Fallout a toujours été un jeu de rôle, donc a eu toujours ces données chiffrées constamment avec eux. Mais on peut penser. On peut penser à quelque chose comme une série comme les Castlevania par exemple, où il y a une franche opposition entre les premiers épisodes plus orientés action et à partir de là l'épisode de Symphony of the Night qui ajoute une composante role-playing game plus prononcée, dans lequel il y a des statistiques du personnage qui vont déterminer sa force, sa résistance, etc. Et donc on bascule dans un autre mode de gameplay par rapport à ce que l'on avait auparavant, qui n'est pas forcément meilleur ni pire, mais qui est juste différente. Donc là,
Fallout va jouer sur ce mode de calcul pour résoudre un certain nombre d'événements. Bon, d'accord. Tac. Je savais que je t'aurais. Et donc, il y a cependant un autre élément dans Fallout qui est intéressant. Je l'ai trouvé dans une boîte de vieux trucs de mon père. Incroyable, hein ? Qui est à noter, c'est que Fallout ne gère pas tout par des chiffres explicites dans son jeu. Fallout, la série des Fallout, est connue également pour une autre caractéristique qui a été mise de côté dans le dernier épisode de la saga, mais qui est pourtant... particulièrement intéressante, c'est le concept de karma. C'est-à-dire qu'à côté de ces caractéristiques, donc special, que nous avons mises en place, à côté des compétences qui ont été du coup établies, calculées, en fonction de nos choix de special, et que l'on va pouvoir modifier en prenant des passifs par la suite. Donc là, par exemple, comme j'ai mis beaucoup en intelligence, je suis assez fort en discours, par exemple, en science et en réparation. Comme j'ai peu de force, ben je vais être moins fort en armes de corps à corps, par exemple, ou à main nue. Bon. Mais à côté de ces chiffres-là, il y a un concept de karma qui s'affiche ici, neutre, qui en fait détermine les bonnes et les mauvaises actions que vous allez faire dans cet univers. Alors, bonnes et mauvaises actions, tout dépend du référentiel dans lequel on se place. C'est un élément que je développe dans ma grammaire. Fallout a une vision du bien et du mal qui est particulière, qui est considérée comme étant relative d'une certaine disposition, on va dire, protestante du bien et du mal, mais qui peut du coup clasher avec d'autres traditions morales, y compris religieuses, chrétiennes, bon, que l'on peut avoir de par le monde. Mais en suivant ou en s'éloignant de ce curseur de bien et de mal, on va pouvoir augmenter notre karma ou le diminuer, devenir bénéfique ou diabolique, ce qui va en retour nous ouvrir des compétences, voire d'autres quêtes dans le jeu. Et la façon dont le karma est calculé, même si on se doute que c'est indexé sur ses bonnes et mauvaises actions, et même si l'on comprend rapidement que telle action nous fait augmenter le karma et que telle nous a fait descendre, le jeu nous l'indique, on est dans une partie qui, à ce moment-là, n'est absolument pas expliquée dans le jeu. Donc le jeu garde une part de mystère, va-t-on dire, bon, quant à la façon dont il considère son action, ce qui est assez intéressant. Merci de m'avoir invité. La fête est vraiment bien et tout. Je sais que chez moi on t'embête, mais tu prends pas ça trop au sérieux, hein? En tout cas, mais voilà, donc il y a un enjeu dans Fallout d'exhiber certains éléments, et donc il y a tantôt le jeu va exhiber va exhiber certains aspects chiffrés de son économie, et de l'autre côté, va en capturer pour les éléments les plus moraux. Les éléments liés davantage pour les aspects un peu plus éthiques, un peu plus moraux de son économie, comme s'il y avait des caractéristiques derrière lesquelles on pouvait mettre des chiffres. La force, l'endurance, la perception, l'intelligence. Et on sent que derrière, il y a des aspects de compétition, de valorisation, de hiérarchisation, hein, dans la force, comme si on pouvait soulever un certain poids et pas l'autre sur la base de chiffres plus ou moins... Oh, t'es plus moche que dans mes souvenirs. Non.
Alors. Ah ouais, c'est ce qu'on va voir. Ça va, trésor. Tu vas le regretter, espèce. Il va essayer de me taper. Non. Butch, qu'est-ce que tu fais? Frapper une fille. On s'amuse bien. Et le jour de son anniversaire en plus. Ah oui, c'est vrai que je suis une fille. Je n'arrive pas à croire qu'il ait essayé de déclencher une bagarre à ton anniversaire. Il y a beaucoup de choix. Oui, tout à fait. Le jeu est vraiment écrit comme un livre dont vous faites le héros. Et les choix, généralement, vont débloquer d'autres arbres de dialogue et puis influencer cette notion de karma. C'est vraiment un trou du cul. Mais et au bout d'un moment, il y a aussi cet élément que certaines structures de dialogue. Non, ça va bien. Il y a des éléments de dialogue qui sont débloquables uniquement si on a la bonne compétence ou que l'on a suffisamment de points dans une compétence pour les débloquer. C'est pour ça qu'il faut généralement booster le discours, parce que c'est notamment à la fin du jeu, cette capacité-là qui nous donne accès aux solutions non violentes pour terminer le jeu. Est-ce que ça va ? Coach, t'as encore mené la vie dure ? J'aurais préféré ne pas l'inviter, mais il n'y a pas tellement d'enfants de ton âge dans l'abri. En tout cas, tu vas devoir apprendre à gérer les brutes. Le monde est plein de gens bien pires que Butch, je le crains. Oh oui, sans doute. Ne laisse pas gâcher ton anniversaire. Viens, je parie que quelqu'un d'autre a un cadeau à t'offrir. Alors que donc du coup, autant ces éléments donc physiques, d'endurance, de perception peuvent être chiffrés, autant la moralité apparemment ne peut pas être chiffrée dans les Fallout. Alors que du point de vue du gameplay, du point de vue de la programmation du jeu, il n'y a pas de différence derrière, puisque finalement il y aura toujours une équation et puis un jet de dés qui va déterminer une comparaison de chiffres qui va permettre du coup d'établir si votre action, si votre geste est réussi ou non. J'ai une casquette. Hop, je vais pouvoir la mettre sur ma tête. Pouf, vêtements. Hop, paf. Et là, vous voyez, casquette me dit effet armure de corps, arme de corps à corps plus 5. Donc, je gagne un effet dans mes statistiques, dans mes compétences. Là, vous voyez, le plus indique que j'ai un élément, un équipement, par exemple, qui augmente l'arme de corps à corps. Bon. J'espère que Butch ne t'a pas fait mal. Tu veux me dire ce qui s'est passé ? Pop. Ah, le petit. Je me doutais que c'était lui qui avait commencé. Donc, il y a un filtre complémentaire qui va s'appliquer dans cette notion de quantité dans le jeu vidéo. Puisque dans le jeu vidéo, on est toujours dans le cadre de données chiffrées, soit on choisit effectivement que cette quantité nous soit offerte en tant que telle, et donc à ce moment-là, est-ce que j'ai parlé à tout le monde ? Voilà. Ou bien alors, il y a un filtrage de cette donnée quantifiée, et ce filtrage, à ce moment-là, transforme cette quantité en ce qui pourrait être une qualité. Et parfois, c'est assez subtil, en réalité. Quelque chose qui peut être géré ainsi... J'espère que je n'ai pas raté la fête. Non, t'en fais pas. Ce qui peut être mis ici en avant, c'est la façon dont, par exemple, dans un jeu Mario, dans les Mario en 3D, lorsque Mario est blessé, par exemple, il va ahanner, donc Mario 64 notamment, en plus du compteur de vie que vous avez d'énergie qui va se vider progressivement, il va souffler
Hein, il va ahaner comme s'il était épuisé. Ou vous allez avoir le bip sonore dans un jeu comme Zelda. Dans la série des Dead Space, le niveau d'énergie du personnage d'Isaac est donné par une barre qui va descendre sur sa tenue spatiale. Donc vous avez des éléments hein, qui ne font pas partie du HUD, de l'affichage tête haute en tant que tel, mais qui sont inscrits dans la diégèse, hein, dans la corporalité du personnage, qui retranscrivent ces éléments quantitatifs en qualitatifs. En effet. Eh bien, Et ça, comment saurais-je c'est alors? à cet Là, endroit-là je me où souviens il des peut y propos de ton avoir père à des l'époque des planches. choix que l'on peut Maintenant, appeler regarde-toi, grisant, artistiques, adulte, esthétiques, et avec ton pour le gros moindre, petit boy. puisque c'est la Quelle façon grande dont occasion, tu sais ce que j'ai fait? les développeurs J'ai choisissent écrit un que poème. l'on ait accès ou Pour non toi, à j'espère certaines qu'il te données plaira. afin de mener notre partie. Bien sûr, file, trésor. Donc, Et passe un voilà, excellent c'est ce anniversaire. type d'endroit, dans ce type de Je choix, sens que tu ne que regrettes l'on pas peut ce que tu développer, fais. il me semble, là, une Ouais. pensée esthétique du jeu vidéo, au-delà de la question des graphismes, au-delà de la question du son, au-delà de ce type de considération, qui importe évidemment hein, le choix des couleurs, des formes, etc., bien sûr, mais au-delà de ça, et plus Qu'est-ce que précisément tu fais que ça, ici, jeune fille? Je me demande il plutôt y si a tu n'arrives pas à cette coincer ton idée-là, au niveau du réacteur. il y a cette idée-là que le jeu vidéo choisit ou pas les chiffres qu'il veut montrer. Un peu comme de la même façon qu'une peinture ou qu'une sculpture peut exhiber ou cacher les coups de burin, les coups de pinceau, voilà, qui fondent son identité propre. Relax, je te Et ça, c'est protège. quelque chose, il me semble, qui est que je Comme n'ai tu as pas du sang, vu tu n'as plus à prendre de étudier risques en tant que tel, indiscrets. énormément. Jusqu'à présent, dans la Attends, littérature, on considère effectivement les laisse-moi chiffres finir comme cette un parti question. pris, voilà, du domaine vidéoludique. Et c'est vrai que les ancêtres des jeux vidéo, que ce soit par les notions de score que l'on va avoir, ou Oui, bien pour la parenthèse. encore, ouais, bien sûr, Le ou superviseur bien commence à encore s'ennuyer et tu as l'âge de faire quelques travaux. Pong Alors tu viens avec, aussi me parler voilà, de le jeux. score de chacun, Alors prends ton Pac-Man, temps et profite. etc., Je vais être un peu vieille les veuve, mais chiffres c'est des pas niveaux grave. que l'on parcourt, J'en hein, passe à tous les les rendez-vous. 1-1, les Elle est 1-2, toute les jeune, cette 1-3, fille. voilà, de Super Tu Mario, as que fait comment, sais-je. moi, pour trouver les pièces et On leur peut réacteur? aussi choisir Je de ne sais que pas ton père montrer ces données trouvait un chiffrées, ressort aussi mais de les facile. traduire différemment, par des Heureusement qu'il codes a su couleurs. garer son point Et d'arrêt. je me rappelle notamment que la version Tetris sur NES, Doucement. ça m'avait beaucoup marqué. Doucement. C'est qu'une arme Quand j'étais blanche petit, n'est que pas la une version arme. Tetris que l'on avait Toi sur aussi, NES changeait la toi couleur des aussi, tu blocs devrais trouver un quand moyen. on passait toutes les 10 lignes qu'on faisait. Donc quand on changeait de niveau. Hein. Et donc, ha ha! I've got a gun now. Ho ho ho! I've got a machine gun now. Hop, on va pouvoir. Eh bien, j'en Bref. doute. Donc. Tu pourras C'est quelque toujours chose, trouver voilà, aussi simplement. qu'il faut garder à l'esprit. Alors, portion voilà, épurée, si on enlève tout leur oripeaux, un jeu vidéo, ce n'est jamais que l'exécution d'un code informatique. Donc, ce n'est jamais qu'une suite de bits, de 0 et de 1, qui fabrique quelque chose. Comme je l'avais lu quelque part, je crois que c'était sur Reddit, et j'avais particulièrement bien aimé cette image, c'est que si vous éteignez, vous allumez la lumière de votre plafond, la lumière de votre salon très rapidement et en rythme pour faire des 0 et des 1, vous pouvez utiliser votre salon pour jouer à Fallout 3. Mais il faut le faire, voilà, une vitesse évidemment beaucoup plus vaste, beaucoup plus rapide que ne le peut la main humaine, mais c'est le concept dans ce. C'est toujours des chiffres. La question c'est de savoir quelle est la façon dont vous accédez à ces chiffres. Est-ce que vous y accédez directement ou est-ce que vous y accédez contournement par contournement, c'est-à-dire avec un code couleur, des choix de dialogue, un système de compétences, etc., qui en fait renvoie à cette notion d'échelle, parce que le jeu vidéo aime beaucoup faire des hiérarchies, malgré lui d'ailleurs, et donc c'est une autre façon d'accéder à ces données. Donc hop, Je me merci, prépare. et on va hop s'amuser. Pam pam.
Là, c'est le tutoriel, évidemment. Hop, pong. Pam. Poum. Pour avoir un peu d'expérience. Bon. Beau travail. Plus qu'à tirer sur le bully, Un tout rat à fait. D'ailleurs, on va avoir un choix bientôt à faire. Je ne sais pas si on le montrera ce soir, mais Fallout avec notre as du tir. aime bien nous faire ce type de. Haha! Cheese. Cheese! Nous faire ce type de choix en mode est-ce qu'on va tuer le bully qui nous a attaqué ou est-ce qu'on sera magnanime et qu'on le laissera filer? Et c'est là où les problèmes liés au changement de développeur ont été assez flagrants en fait. Dans le changement de développeur. Parce que dans Bethesda a une vision. Comment dire très naïve, allais-je dire, de la notion de bien et de mal. Une vision très hollywoodienne, grand public, édulcorée, je sais, simple, du concept qui est en fait moins tant une américaine, peut-être, mais qui est aussi un enjeu de gameplay. En fait, Bethesda fait en sorte que les choix que l'on. Le GOAT, oui, je sais plus à quoi. Allez, merci. Allez, Je ne sais plus ce qu'est le examen GOAT. généralisé d'aptitude Voilà. professionnelle. Axiome généralisé d'aptitude Tous professionnelle. les gens d'aptitude professionnelle General, Ça permet de je sais définir le plus, niveau de compétence testing, et celui de aptitude. discipline. Tout le monde. Et oh, je sais plus ce que c'est. Fais attention, père. Bon. Et donc, ils font en sorte qu'à chaque fois que l'on est face à un choix, quel qu'il soit, hop, on va en profiter pour piquer des trucs à papa. T'avais pas besoin de boire du café de toute façon aujourd'hui. Hop. Hop là. Ouais, c'est ça. Ouh, des seringues. Fais en sorte qu'à chaque fois qu'un choix se présente à nous, en fait, on sache exactement quelles seront les conséquences de ce choix. Et donc, on y est, voilà, si vous choisissez de parler avec cette personne-là, il va se passer ceci, ceci, ceci et cela. Et donc, à ce moment-là, vous ne pourrez plus faire ceci, vous ne pourrez plus faire cela. Bon. Après, donc c'est un enjeu de gameplay qui est assez intéressant. C'est un enjeu de gameplay qui est assez intéressant, surtout quand on découvre le jeu à un moment donné. Bon, on aimerait bien savoir à l'avance quel type de conséquences vont avoir nos actions. Mais ça faisait partie aussi du charme des premiers Fallout, l'idée que c'était un monde avec certaines règles, mais sans foi ni loi, dans lequel les conséquences de nos actions, et parfois à très long terme, ne pouvaient pas être prédites en réalité. Et que c'était justement parce qu'on ne pouvait pas les prédire que ça rendait l'aventure très particulière par ailleurs. Les serpents des tunnels. Reste en dehors de ça. Mais chez moi, on... J'obéis à personne. Wally Mac est son propre maître et j'appartiens aux Wally serpents Mac. des tunnels. Euh, Pourquoi? Tu et crois que c'est donc, Butch qui il commande? y a C'est pas beaucoup ton. de. Parce que c'est n'importe quoi si c'est ce qui se dit. Et donc, l'enjeu dans les premiers Fallout, c'était également de comprendre de soi-même ce qu'allait impliquer les actions que nous allons faire. Et donc, il y avait du coup des lignes parfois un peu flottantes entre le bien et le mal. Il était parfois difficile, il y avait une très belle qualité d'écriture, parfois de savoir si les actions que l'on allait faire allaient effectivement aboutir à une amélioration de la situation. Et il y avait toujours cet enjeu-là que ça pouvait être une amélioration sur le moment. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on va essayer de le retourner comme une crêpe, le gars, pour qu'il embête Butch. Donc il y avait un enjeu également de savoir, voilà, sur le long terme, que ce qui allait se produire.
À partir de Fallout 3, les enjeux sont moins évidents. Voilà. Serpent des tunnels. Et voilà, vous voyez, votre karma a augmenté en haut à gauche. Parce que l'on a réussi à résoudre la situation sans violence. Mais il y a des cas où la violence peut être justifiée dans le jeu, y compris. Et même globalement, dans cette situation-là, voilà, trois gadjos qui embêtent une femme, on peut leur foutre un poing sur la gueule, ça peut être la bonne situation à faire s'ils se montrent menaçants ou violents ou quoi que ce soit, vous voyez. Bon. Donc, la notion de bien et de mal est parfois un peu... voilà, un peu flottante dans les Fallout, et à partir de Fallout 3, elle devient beaucoup plus rigide, et donc... J'en suis certain. Ça fait voilà, ça a fait jaser à l'époque les joueurs, la communauté. Il est vrai que Fallout 3 a été un moyen extraordinaire de faire connaître l'aventure et la saga à des gens qui jusque-là ne le connaissaient pas. Voilà, Generalize Occupational Aptitude Test, GOAT. Et moi-même, Fallout 3, ça a été mon premier Fallout. Ça a été ma première introduction à Fallout. Et toute chose égale par ailleurs, je trouve que il marche assez bien. Il marche assez bien. L'histoire est intéressante, l'univers est assez bien développé, les personnages peuvent être effectivement assez truculents. Mais c'est vrai que cette notion de karma, à l'époque, m'avait un peu dérangé. Et quand je suis revenu aux premiers épisodes, Fallout 1 et 2, qui sont disponibles sur Steam, sur GOG, etc., sans problème aucun. Là, oui, j'ai vu qu'il y avait eu une édulcoration du concept fondamental. Bon. Donc là, le GOAT consiste à répondre à des questions pour augmenter nos passifs et donc nos capacités. Et donc, en fonction de ce que l'on va répondre, on va, par exemple, améliorer nos attaques en énergie, etc., etc. Donc là, vous voyez approcher un scientifique de l'abri complètement excité qui hurle « Je vais coller mon harmoniseur quantique dans ta chambre de résonance photonique. Quelle est votre réaction ?»« Mes docteurs, cela n'entraînerait-il pas une déstabilisation parabolique de la singularité fissionnelle ?» Donc, réponse plutôt intelligente. « Photonique ta mère, mec, plutôt agressif. » Vous ne dites rien, mais saisissez un tuyau pour assommer le scientifique. Bon. Donc là, également très violent. Vous ne dites rien, mais vous éclipsez avant que le scientifique continue de divaguer en mode je suis discret. Donc on va choisir la réponse intelligente. Alors que vous travaillez en tant qu'interne à la clinique, j'aime bien l'image derrière avec les champignons. Les illustrations de Fallout ont toujours été truculentes. Voilà. Vous traitez la zone infectée, vous attachez le patient. Hop, je vais traiter la zone. Vous découvrez un jeune garçon perdu dans les niveaux inférieurs de l'abri. Il a faim, il est effrayé, mais il semble aussi être en possession d'objets volés. Ah. Que faites-vous? Bah, je lui éclate la tête. Faites les poches de l'enfant. Confisquer les objets volés, je laisse l'enfant sur place. Il est très cynique comme jeu, non, c'est ça. Assez cynique. Alors, ce caractère cynique est présent dans quelques épisodes, dans quelques micro-chapitres. Il est globalement bien moins cynique sur la longueur que l'introduction ne laisse présager. C'est très contraire de Fallout 2, par exemple, qui lui est cynique de bout en bout. Ouais, on va faire les poches de. Du gamin. Hop. Question 4. Si vous devez jouer à un seul Fallout, si l'univers voilà, vous plaît, que vous voulez avoir l'expérience la plus proche, on va dire, de l'esprit des concepteurs, je recommande Fallout 2.
qui est vraiment le plus riche. Alors, Fallout 2 a un très grand, une très grande difficulté, un très grand écueil, c'est que sa phase tutoriel est imbitable. C'est l'une des dernières séquences qu'ils ont programmées, ils étaient pressés par le temps à l'époque, et ils ne l'ont pas géré d'une façon agréable, ce qui fait qu'il est très difficile de comprendre comment jouer au jeu, quels sont ses enjeux, quel est son gameplay. Donc moi, je vous recommande de le faire avec une soluce ou de voir une vidéo explicative pour vous inviter à mieux faire le jeu. Et il faut le modder. Il faut utiliser, il y a notamment des mods de Fallout 2 maintenant qui augmentent la résolution, qui restituent des quêtes qui étaient encore présentes dans le code du jeu mais qui n'étaient pas activées dans la version commerciale pour différentes raisons, qui rajoutent énormément d'options. Et avec ça, vous avez l'un des tout meilleurs jeux de rôle occidental de l'histoire. Vraiment, Fallout 2 est un jeu extraordinaire au niveau de l'écriture. Donc voilà, moi je vous recommande le deuxième épisode. Le troisième est une très bonne porte d'entrée pour l'enjeu de la série. Il y a de très belles scènes, mais l'écriture, voilà, est parfois un peu poussive. Et New Vegas, qui suit après, a un très beau niveau d'écriture, mais il est pétri de bugs et de problèmes qui le rendent, parfois peu agréable à jouer si on ne le mode pas, notamment. Donc voilà, quelles sont mes idées. Alors, moi j'aime bien être batteur. Votre grand-mère vous invite à boire le thé. À votre surprise, elle vous tend un pistolet et vous demande d'abattre un résident de l'abri. Qu'est-ce que vous faites ? Ah oui, effectivement. Il ne faut pas se faire avoir. Les Fallout n'ont pas cette... n'ont pas cette caractéristique là, ouais. C'est si on s'avance trop dans la quête principale, on bloque la suite de la partie et on peut plus du coup faire des quêtes annexes. Ouais. Après, c'est une fois que l'on sait où se trouve la quête principale, c'est assez facile d'y aller quand on le veut. Donc bon, mais oui, effectivement, il faut pas se faire avoir. Il mérite d'être découvert. 10 ans plus tard, Fallout 3, il a été beaucoup vilipendé à une période, sans forcément que toutes les critiques soient de mauvaise foi. Hop, je vais lui demander un minigum. Ah. Et vous avez reçu l'ordre de le faire sortir. Comment allez-vous faire ? Oh, je vais mettre du C4. Arsenal, on va crocheter la serrure pour avoir des capacités de. Et une main mutante vous a quel est le meilleur traitement ? La prière, l'ablation des tissus. Hop, l'ablation des tissus. Le barbare, vous le voulez. Quel est le meilleur moyen de l'obtenir ? Vous faufiler. Hop. Vous décidez de faire une petite farce à votre père. Mais voilà, Fallout 3, je pense, c'est un jeu qui mérite qu'on le redécouvre. Surtout maintenant, les mods et les patchs, depuis 10 ans, ont considérablement amélioré la stabilité du jeu, ont corrigé pas mal de bugs. Les DLC valent pas tous le coup, mais ils sont sympas à faire néanmoins. Hop, on va jeter un pétard dans la cuvette. Sans l'ombre d'un doute, la personne la plus importante de l'abri 101. Eh bien. Qui nous protège des rigueurs des terres désolées. Alors les abris sont toujours un élément rigolo. Un moment toujours extraordinaire de la découverte du jeu, puisque chaque abri s'est généralement très mal terminé dans l'univers de Fallout, et donc c'est un plaisir de les explorer et de comprendre ce qui s'est passé. Donc voilà. Tac. Alors. Hop, on peut reparler à. Eh bien. Programmeur de. Oui. Oui, content d'apprendre. Eh bien, content.
Et donc voilà, grosso modo, nos questions. Du coup, on peut changer nos passifs. Donc là, les questions que l'on a faites nous ont augmenté la médecine, la science et la discrétion. Comme toujours dans les jeux Fallout, il vaut mieux, ou dans les RPG, il vaut mieux se spécialiser un maximum. Et donc faire en sorte que l'on ait les compétences les plus élevées. La discrétion n'est pas forcément le meilleur que je puisse avoir. Je vais augmenter le crochetage. Puisque le crochetage est quand même très utile. Hop, dans ce jeu. Il y a énormément de portes verrouillées. Et déverrouiller des portes est l'un des moyens les plus simples de finir le jeu. C'est vrai dans le premier, dans les deux premiers Fallout aussi. Si vous avez de bonnes compétences de crochetage, vous épargnerez bien du tracas. Hey, il faut que tu te réveilles. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu partes d'ici. Ton père est parti et les hommes de mon père te cherchent. Comment ça, mon père a disparu? Je sais pas comment, mais il est parti. Et mon père, il a pété un câble. Mais oui. C'est Jonas. Ils l'ont tué. Les hommes de mon père. Ils l'ont attrapé. Oh mon Dieu, il faut que tu partes, vite. Ouais. T'en fais pas pour moi. Et désolé que tu l'aies appris comme ça. Je sais que Jonas était ton ami. Mais il faut qu'on y aille. Les hommes de mon père vont être là d'une minute à l'autre. C'est exactement ce que j'avais en tête. Écoute. Un tunnel secret relie le bureau de mon père à la sortie. Le coat. Ben oui, évidemment. Le superviseur, c'est le coat. Utilise ça pour entrer dans son bureau. C'est comme ça que je fais. On a des épingles à cheveux. hop, tirons-le d'ici. J'ai volé le pistolet de mon père. J'espère que t'en auras pas besoin, mais vaut mieux l'emporter au cas où. Ah oui. Eh bien... On lui donne le revolver parce que sinon elle risque plus tard de nous le reprocher. J'essaierai de te retrouver à la sortie. Fais gaffe à la sécurité. Bonne chance. T'en fais pas. Et on va s'arrêter ici. Hop. On va voir si tout est en ordre. Très bien. Parce que nous, le temps imparti pour ce soir est terminé. Oui, tout à fait. Oui, on sentait qu'au niveau des visages. On avait encore des difficultés à faire quelque chose de vivant. Donc ça donne quelque chose d'un peu robotique. Mais voilà, le temps, à l'époque, ça pouvait être dérangeant. Mais des 10 ans plus tard, je trouve justement que ça a eu un peu plus de charme, ce côté un peu cireux qui donne au personnage. Bon. Donc voilà. Voilà pour ces petites réflexions sur le quantitatif. Au sein des jeux vidéo et particulièrement dans Fallout 3. Il n'y aura pas de stream la semaine prochaine pour des raisons d'emploi du temps. Donc ça sera pour début avril que je reviendrai sur cette activité. Et dès demain, le replay sera disponible en ligne sur YouTube et sur Twitch. Il y aura 15 jours. D'accès au replay. Non, pas les partiels, c'est un autre engagement que j'ai pris jeudi prochain, tout simplement. Bon. Mais c'est vrai que les partiels arrivent. Bon. Sur ce, merci à toutes celles et ceux qui sont passés me voir ce soir. Passez une bonne fin de semaine. Et puis à très bientôt, dans 2 semaines, bien ailleurs, sur les réseaux, ou que sais-je. Ciao, ciao. Bonne soirée.